Bonjour à tous, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien en ce dimanche 16. Et je vous reprends, il est midi 24. Il n'y a pas très longtemps que je viens de me lever. J'ai fait un gros dodo. Donc là, on va préparer comme d'habitude le petit café. Voilà, le petit kawa. On va rajouter un petit peu d'eau. Donc le temps est médiocre aujourd'hui. Je vous ai montré tout à l'heure. J'ai fait une petite cam pour vous montrer le temps qu'il fait aujourd'hui. Alors en plus aujourd'hui, il y a la brocante. Alors dégoûté, pour une fois qu'il y a la brocante, le temps est médiocre. Ce qui veut dire s'il pleut, bah, les gens ils vont pas rester. Ils vont pas rester, ils vont commencer à tout emballer, tout rentrer. Et puis toi tu vas arriver, bah, tu l'auras dans le baba parce qu'il n'y aura plus de brocante. Donc si le temps il reste comme ça, il ne pleut pas, ça va aller. Ça va aller, mais sinon, j'attends que la mie ça se réveille pour qu'on puisse y aller tranquillement avant qu'il pleuve vraiment. Je voudrais bien aller à la brocante là, ça fait longtemps qu'on n'a pas. On n'a pas vu de brocante ici, par ici. Bah, depuis le Covid, il va faire presque 4 ans. Presque 4 ans qu'on n'a pas eu de brocante. Et la brocante qu'on avait tous les week-ends du mois pour les anciens qui étaient là depuis le début de ma chaîne. Pas si vous vous rappelez, hein, à chaque fois je vous disais qu'il y avait une brocante tous les premiers week-ends du mois, mais comme ils ont fait les travaux, tout ça sur nos gens et tout ça, ils ont agrandi l'autoroute et tout, bah, ils ont condamné la brocante. Et comme du fait les gens qui venaient, bah, ils tenaient pas compte aussi de la propreté aussi, et laisser des tas de merde là-bas. Si bien qu'au bout d'un moment, bah, voilà. La mairie elle en a eu marre, ils ont décidé d'arrêter complètement la brocante. Normalement, il y avait eu une pétition. Il y a eu une pétition pour que la brocante revienne, et apparemment ça n'a pas abouti. Puis à la fin, ça venait même plus de brocante, c'était plus un vide-grenier qu'autre chose. Tu avais beaucoup d'affaires, beaucoup de trucs. Bah, des trucs des fois qu'on trouve dans les encombrants. Moitié rouillé, moitié cassé. C'était même plus de brocante en fin de compte. C'était plus un truc de poubelle qu'autre chose, quoi. On pouvait même pas dire c'était un vide-grenier parce que c'était des trucs qui étaient cassés, moisis, mais comment tu peux vendre un truc comme ça, quoi, franchement. Putain, moi j'aurais honte de vendre ça, quoi. Donc du coup, il n'y a plus de brocante. C'est pour ça que quand j'ai vu qu'il y avait une brocante là aujourd'hui, là, j'étais content. Mais le problème c'est que voilà, le temps il devient un peu merdique. Ça je vous dis, si le temps il reste comme ça pleut pas. Il pleut pas, ça va. Mais s'il met à pleuvoir, laisse tomber. Crap. Sinon, comme je viens de vous dire,
Je viens de me réveiller, j'ai fait un gros dodo. J'ai pas travaillé toute la semaine, bah, du fait que j'étais malade. Hein. Bah, j'ai encore, je tousse encore un peu. Le nez, ça va un peu. Bon, je renifle encore un peu, mais ça va. On va dire que ça va. C'est surtout l'atout. C'est l'atout qui est chiant. C'est l'atout qui est plus long à guérir. Pourtant, j'ai tout, hein. J'ai les médicaments, j'ai les pastilles. J'ai plein de trucs. Mais ça passe pas. Pour l'instant, ça ne veut pas passer. C'est pour ça que j'essaye de faire des bisous à toutes mes petites voisines à droite à gauche. Comme ça, je leur file ma merde. Comme ça, ni vu ni connu. Comme ça, après, moi, je serai tranquille, je serai plus malade. Ah, moi, je partage, moi. Je partage mon rhume. Donc, du coup, j'étais voir au médecin. J'étais au médecin hier. J'avais rendez-vous. D'ailleurs, faut que j'enlève. Ah non, ça y est, c'est bon. J'étais pour mon renouvellement de médicaments. Renouvellement de médicaments. Comme j'ai dit, après du fait, bon, on m'a rien donné pour le jour que j'étais malade là. Comme je lui ai dit que je me suis soigné moi-même avec à l'arrêt des médicaments que j'avais déjà pour la grippe. La grippe, la gastro, enfin plein de trucs. Je me suis soigné moi-même. Bah, du coup, on m'a dit bah c'est bien. On m'a dit continuez à prendre ce que vous prenez et normalement ça devrait passer. M'a pris ma tension, j'étais encore à 15-16. Pas m'a ausculté. M'a ausculté. Et j'ai dit qu'en quoi j'avais fait ma prise de sang et tout ça. Donc elle a regardé sur l'ordinateur, donc elle a bien eu les résultats du truc. J'avais peur justement que le truc de laboratoire, ils oublient d'envoyer au docteur. Donc elle a bien trouvé sur l'ordinateur. Les problèmes, l'autre. La première, elle le trouve pas. Ils l'ont pas trouvé, ils savent pas où il est. De là, la vue au taux de globule rouge et globule blanc, ça va. C'est assez. Cholestérol, ça va. Mais le pire c'est le diabète. Le diabète apparemment il aurait augmenté. L'année dernière où il y a 2 ans j'étais à 1,5. Là je suis à 2,7. Donc elle m'a demandé si j'avais bu entre-temps, si j'avais bu sucré, parce que des fois ça peut jouer. Comme moi je bois beaucoup la nuit. Je me lève beaucoup pour boire. Après, je lui dis bah moi j'en sors. Après, moi je lui dis bah oui moi je bois tous les jours, toutes les nuits, je me lève pour boire. Après, elle m'a demandé si j'avais bu sucré. J'ai dit ouais, c'est fort possible, on sait rien. Du coup, bah, je vais être obligé de refaire encore une piqûre.
picot pour le sang, pour savoir vraiment si c'est à cause de ça. Donc, on m'a dit de rien boire sucré. Donc, là, demain, si je travaille pas, je vais aller demain matin. C'est pour ça, cette nuit-là, il ne faut pas que je bois sucré. Je bois que de l'eau. À partir de minuit, il ne faut pas du tout que je boive sucré, quoi que ce soit. La dernière fois, ils m'ont rien dit. Ils m'ont dit juste d'être à jeun pour le matin et tout. Pas boire de café ni quoi que ce soit, mais ils m'ont pas précisé qu'en fin de compte, à partir de minuit à minuit, il fallait pas que je mange sucré, quoi que ce soit, quoi. Faut vraiment que je sois à jeun, à jeun. Donc le soir en mangeant, ouais, il n'y a pas de problème, mais à partir jusqu'à minuit, faut que je boive que de l'eau, faut que je pense à boire que de l'eau. Faut pas que je boive sucré. Donc voilà les nouvelles. Les nouvelles de mon diabète, apparemment il aura augmenté. À moins si c'est ça. Hein. Surtout il n'a pas du tout augmenté. Hein. Enfin, je croise les doigts qu'il est resté encore à 1,5 et qu'il n'est pas à 2 grammes, je sais pas combien. J'expliquais parfois les symptômes, qu'on voit que j'allais souvent aux toilettes, que je buvais beaucoup, que je bois beaucoup sucré, que j'ai des problèmes de jambes, que j'ai les pieds, j'ai souvent des douleurs, j'ai les pieds gelés. Elle m'a dit tout ça, c'est les symptômes du diabète. Je sais pas, parce qu'apparemment il y aurait beaucoup de symptômes de diabète différents. La dernière fois, j'ai regardé une vidéo justement sur le diabète. Ils disent que si vous avez des sueurs dans la nuit, c'est considéré comme un truc de diabète. Après, je sais plus trop quoi. En fin de compte, je pense qu'il y a beaucoup de symptômes qui pourraient éventuellement avoir affaire à du diabète. À part le problème que moi j'ai pas de sueur la nuit, rien du tout. J'ai juste soif parce que j'ai la bouche vraiment sec. J'ai plus de salive dans la bouche. Et puis c'est. Bah, qui veut dire sec, qui veut dire c'est collant. C'est pour ça que je me lève beaucoup la nuit pour boire justement, pour altérer ma bouche. Et après ça passe, après le matin, je sens la sensation de la salive et tout ça. Mais dans la nuit, c'est catastrophique, j'ai vraiment la bouche hyper sec. Et j'arrête pas de. Je bois, je sais pas combien de litres d'eau. On m'a même dit que je buvais même trop d'eau. Je dois boire au moins 3 à 4 litres d'eau par jour. Rien que dans la nuit. Elle m'a dit que c'était trop. Elle dit bah moi j'en sais rien, moi j'ai soif, je bois. Donc voilà les nouvelles de ça. Bah, du coup toute cette semaine bah, j'ai pas travaillé. Je devais travailler que mercredi, mais comme du fait j'étais mal, bah, du coup bah j'ai pas pu. Donc du coup elle m'a fait faire un papier pour mon travail.
C'est même pas un arrêt, c'est juste un papier comme quoi que je pouvais pas éventuellement aller travailler dans l'état que j'étais. Puis mercredi, j'ai quand même, mercredi matin, j'ai quand même, j'étais presque à 42 fièvres. J'étais à 39, je sais pas combien de fièvre. Puis j'étais complètement gelé. J'avais froid, donc ça c'est la fièvre. Après j'avais trop chaud. Douleur aux jambes, des crampes. J'ai pas arrêté toute cette semaine d'avoir que des crampes aux jambes. Donc c'est un petit peu chiant cette semaine. Et là, depuis hier, ça va un petit peu mieux. Là, normalement, je devrais pas ouvrir parce que en fait, je suis encore un peu malade. Mais le matin, il faut ouvrir. Là, j'avais pas encore ouvert parce que comme il y avait hyper du vent, il faisait froid, il pleuvait, donc j'ai laissé fermer. Mais là, comme il y a le soleil qui revient entre guillemets. Il y a un petit peu de soleil, donc c'est pour ça que j'ouvre pour aérer un petit peu. Pour aérer, pour aérer, aérer, aérer. Puis vous voyez, j'ai soif. Là, je sens que je commence à avoir un peu la bouche sèche. J'ai de la salive, mais j'ai la bouche sèche. De Lolo. Voilà. Comme ça fera une bouteille en moins. Chauffer mon eau, mais j'ai pas préparé mon café. Donc apparemment à Paris ils ont créé un truc à côté de la pyramide sur Paris dans le premier arrondissement. Ils ont fait un truc de. Je sais pas comment on appelle ça. J'ai trouvé ça vraiment au hasard sur Instagram. Ils ont fait un genre de musée. Un peu comme il y a en Amérique. Qui veut dire qu'il y a des. Il y a une grande piscine, ils ont fait de couleur rose avec une immense piscine de balles. Que tu as des genres de toboggans, tu peux que ça soit pour grand, mais c'est pas que pour enfants, hein. Les adultes ils peuvent y aller aussi. Que tu peux plonger dans les boules. Tu as ça, tu as un côté où c'est ta maison elle est à l'envers, c'est-à-dire tu as tous les meubles en l'air et toi t'es sens inverse quoi. Même dans la vidéo j'ai vu qu'il y avait une super baignoire qui était accrochée au plafond et ça fait l'impression que bah, tu es à l'envers quoi. T'as ça, t'as le jardin d'Alice au pays des merveilles avec des fleurs géantes et tout de toutes les couleurs. T'as une salle où c'est que rempli de couleurs différentes. T'as une autre salle où ça a un grand truc dispositif diaporama immense. Et après le reste, je sais plus trop quoi.
Et quand tu sors, bah, t'as des petites fiches et tu dois marquer ta journée en quelques mots. Et eux, ils vont visualiser les commentaires que les gens ils ont laissés. Apparemment, il y aurait eu déjà. C'est déjà ouvert depuis le mois de juin, c'est jusqu'au mois de septembre. Il y a déjà eu plus d'un million qui sont venus visiter ce musée. Alors, est-ce que c'est gratuit? Je ne sais pas. J'ai fait un copier-coller. Cécile la regardera si. Et puis, si je vois que c'est pas trop cher, bon, on ira peut-être. On ira peut-être si c'est pas cher. Si c'est gratuit, bien sûr. Bon, ça m'étonnerait qu'un truc soit gratuit. Mais sinon, à part si c'est gratuit, bah oui, pourquoi pas faire un petit tour. Ça nous changerait un peu les idées. Et puis ça nous ferait voir autre chose. Pour une fois qu'ils font un truc bien sur Paris. Il y a ça, sans nouveauté. Oh, mais j'ai froid. Sinon, pas grand chose, hein. Pas grand chose comme d'habitude, pas de son habitude, le miam miam, le coucher, le travail, le miam miam, le coucher, le travail, les courses, voilà, comme d'habitude, ça ne change rien. Ça ne change rien du tout. Là, je vais faire la même petite vaisselle tranquille. Faire une petite vaisselle, je vais voir avec la litière, ça n'est pas trop sale. Sinon, je vais engorgiter les deux litières. Mahout il dort, Blaco il dort, ils ont bien mangé tous les deux. Ma bébé il est venu me voir là, il y a 5-10 minutes, il est reparti se coucher. Il est venu faire un petit câlin pour voir si j'étais là. Il m'a fait un gros bisou, après il est reparti. Il est reparti voir sa mère. Sa mère d'Auch, il est parti voir sa mère d'Auch. Là j'ai fait ma vidéo du troisième bouquin hein, de Scrap là. Vous allez la voir demain. Demain vraiment en vidéo. Ce soir ce sera la recette de Cécile. C'est les pâtes au surimi. Enfin moi je vais goûter, je sais pas si je vais aimer, mais bon je vais quand même goûter, je vais voir. C'est les pâtes, faites cuire les pâtes normales et puis vous mettez à la fin le surimi. Faut pas que le surimi soit chaud. Parce que c'est pas terrible. C'est pas bon. Son beau-fils, il a essayé. Et il nous a dit comment il faisait. Puis refaire chauffer du surimi comme ça, apparemment c'est dégueulasse. Le surimi, il durcit tout et c'est pas bon. Par contre, une fois que tu as fait tes pâtes au beurre ou à l'ail ou ce que vous voulez, vous avez juste à machiner ton surimi un peu comme si vous mettez du gruyère râpé, puis vous mangez ça comme ça. Et apparemment, c'est paraît-il, c'est bon. Paraît-il, c'est bon. Donc, on va essayer ça ce soir, on verra bien. Ah déjà moi je vais m'en mettre juste un tout petit peu pour voir, pour essayer dans un coin de mon assiette. C'est comme j'aime pas trop le surimi. Peut-être avec les pâtes au beurre, bon ça va peut-être le goût va être différent.
Et après, y a ça. Et si on rentre pas trop tard, je vais faire la recette de Céline, de la dernière vidéo qu'elle a faite, de sa recette avec ses pâtes, les pâtes algériennes là. Et du fait que, bien sûr, je vais poser la question si la permission, si je pouvais refaire sa recette, elle m'a dit que oui, qu'il n'y avait pas de problème, que je pouvais reprendre sa recette. Donc merci à toi Céline. Donc comme ça, voilà. Comme ça, il n'y aura pas de gâcheteur en disant, ouais, t'as vu, il a vu ta recette, il n'a rien dit, nanani, nanana, il n'a pas le droit, nanana. Comme ça au moins, c'est dit d'avance, comme ça, s'il y a des râleurs, comme ça, ils se feront niquer. Ils se feront niquer eux-mêmes. Parce qu'au moins, j'aurais demandé la permission. C'est comme maintenant, il faut demander la permission, parce qu'après, on se fait taper sur les doigts. Alors. Pourtant, hein, c'est des trucs de partage, mais bon, t'as pas le choix. Pour pas avoir de querelle, t'es obligé de demander la permission. Et comme moi, j'ai toujours demandé avant de faire, comme ça, au moins, on est machiné des deux côtés, on est protégé des deux côtés. Comme ça, s'il y a un petit malin ou une petite maligne qui veulent foutre le bordel, comme ça, elle aura dans le cul, parce que ça aurait été déjà dit. Voilà. Je sais pas. Sur ce, je sais pas. Je vais peut-être refaire une vidéo de questions des abonnés. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. J'avais commencé à écrire, mais comme j'avais pas assez, et puis là j'ai vu qu'il n'y avait pas beaucoup de questions au niveau des commentaires. Même au niveau des commentaires, j'ai vu que ça avait vachement baissé. Ça avait vachement baissé. J'ai vu que j'avais un petit peu augmenté. Ça, c'est ce qui est bien aussi. Donc merci pour tous les nouveaux ou les nouvelles personnes qui viennent sur ma chaîne. Donc merci à vous. Oui, comme je vous ai montré sur la petite vidéo que j'ai fait, ils nous ont installé dans la cité des caméras. C'est apparemment, c'est une nouvelle loi que maintenant dans toutes les cités, maintenant ils ont décidé de mettre des caméras. Il y a tellement de bordel dans les cités, que ce soit tout ce qui est drogue, que ce soit les clochards, que ce soit des ivrognes, que ce soit les jeunes qui foutent le bordel. Donc ils ont décidé que nous dans notre cité de mettre des caméras, et encore il n'y a pas assez. Ils vont revenir la semaine prochaine pour remettre d'autres caméras dans tous les coins où on peut vraiment voir qu'il y a des coins qu'on voit pas spécialement, mais voilà, il peut se passer des trucs. Donc ils vont mettre des caméras là comme ça dans tous les petits recoins comme ça. Après, je ne sais pas si ça va directement à la police ou au bailleur ou éventuellement aux deux. Comme ça, voilà, ça sera un petit peu plus calme dans la cité le soir. On n'entendra plus les ivrognes picoler jusqu'à 3-4 heures du matin, foutre le bordel. Après, ils vont accuser les jeunes que c'est eux qui foutent le bordel. Ça, comme ça au moins on est. Après, est-ce qu'on est vraiment en sécurité avec des caméras? Je n'en sais rien, mais au moins voilà, il y aura des caméras dans la cité. Il y aura peut-être un peu plus de ronde au niveau de la BAC et tout ça dans la cité. Il y en a qui commencent à râler déjà dans la cité parce que ouais, il y a des caméras, on peut plus, nani, nana, je dis pas, c'est bien fait, hein. J'ai bien fait, hein. Dis tant mieux.
Tant mieux, comme ça, moi, il y aura moins de bordel dans la cité. C'est entre les clochards, les ivrognes, certains jeunes qui sont pas de la cité qui viennent foutre le bordel ici. C'est bon, quoi. Toi, tu te lèves à 3h, 4h du matin et tu peux pas dormir à cause des abrutis qui foutent le bordel dans la cité. Surtout les ivrognes. Tu bois, c'est certes, mais bah une fois qu'ils deviennent complètement bourrés, bah je sais pas, tu rentres chez toi, quoi, quand tu restes pas à foutre le bordel à 3-4 heures du matin, même 5 heures du matin, à réveiller les gens, quoi. Tu as des gens qui veulent dormir et t'en as quand même une bonne partie ici dans la cité qui se lève de bonne heure, comme moi, 4h30. Et qui ont envie de dormir, quoi. Eux, ils s'en foutent, ils sont au chômage, ils travaillent pas. Ils touchent le RSA, ils sont bourrés du matin au soir. Ils s'en battent les couilles des autres. Et au bout d'un moment, ça va 5 minutes, quoi. Ça va une fois, deux fois, mais tout le temps, tout le temps, tout le temps, c'est bon, quoi. Ça devient barbant. Donc, on voudra avoir une cité au moins calme. On a plus ces soûlards là, dehors là, à des heures pas possibles. Sinon, on a appris que Blacko a perdu son petit frère. Apparemment hier ou avant-hier, je sais plus, une dame qui l'a retrouvé pas très loin là. Et en fin de compte, elle a reconnu le chat, elle a averti notre petit voisin à qui qu'on lui avait offert le chat. Et en fin de compte, on a entendu comme quoi c'était le frère de Blacko qui est décédé. Donc on pense que c'est un truc d'empoisonnement. Alors soit c'est quelqu'un qui l'a empoisonné, parce que comme il avait tendance maintenant à s'habituer aux gens et à venir petit à petit vers les gens. Alors est-ce que c'est quelqu'un, un petit malin, qui s'amusait à l'empoisonner? Ou du fait qu'il a dû lécher un truc, parce que comme les gamins ils s'amusent à. C'est comme ils nous ont mis des boîtes noires spéciales pour les rats, les souris, machin. Et comme t'as les gamins, ils s'amusent à jouer avec ça, à balancer les trucs un peu partout. Alors, est-ce que du fait que les chats, bah, ils ont dû marcher sur les trucs, et comme les chats, bah, ils sont très propres, ils se lavent. Alors, si peu qu'ils ont léché leurs pattes ou quoi que ce soit, et puis du fait qu'ils ont touché avec leurs pattes les produits. Ou peut-être il s'est fait mordre, j'en sais rien. On n'en sait pas. Pour l'instant, on ne l'a pas vu. Le petit voisin, il est tout triste. Il est tout triste parce qu'il était très très câlin, très fusionnel avec le chat. Nous, on l'appelait Black parce que voilà, il était noir. Et lui, il avait surnommé le chat. Il n'avait pas donné de nom, juste le chat. Et nous, ça nous fait chier parce qu'on l'a quand même eu, on l'a quand même eu pendant 4 mois. Après, quand on a su que notre voisin, il avait perdu son chat de vieillesse, et il en voulait un autre, du coup, bah on s'est dit, bah tiens, on va lui donner le bébé chat. Donc on lui a offert le chat, le frère de Blacko. Et puis en plus, c'est quoi, il était pas vieux, hein, et Blacko, il va sur 6 ans, il devait avoir 3 ans. Il devait avoir 3 ans à tout casser parce que nous, quand on l'a récupéré, il était encore tout petit, quoi. Il avait même pas 2 mois. Donc on est dégoûté. On est dégoûté, on est dégoûté, on est dégoûté. Mais c'est quand même bizarre parce que c'était pas la première fois que les boîtes noires ils sont là, il a jamais touché.
Mais c'est bizarre. C'est bizarre, je sais pas si. Si là on est au veto pour voir, pour savoir que vraiment qu'est-ce qui s'est passé. Mais bon, on est dégoûté, parce que nous, il n'était pas du tout sauvage avec nous. Il venait nous faire des câlins, et puis il faisait des pataboum comme il fait Blacko. C'était vraiment deux frères jumeaux, quoi. Et puis le Black devait ressentir le Blacko parce qu'il venait à, dès qu'il nous voyait, hop, il venait faire des câlins et tout ça. Donc il devait sûrement ressentir son frère envers nous. Mais bon, ça nous fait chier, quoi. Ça nous fout un coup parce que franchement, voilà. En plus, sachant que nous, on l'a eu, quoi. C'est ça qui nous. Qu'on est assez attristé parce qu'on l'a eu, on l'a récupéré, on l'a gardé 4 mois. Après, on le voyait, on lui demandait souvent des nouvelles du chat, comment il allait, il nous le montrait, tout ça. Et puis voilà, on apprend que, en fin de compte, il est décédé. Donc voilà, c'est triste, c'est triste, c'est triste. C'est pour ça que je veux plus d'animaux. C'est pour ça, après Blacko, je prends plus rien. Déjà, on a l'âge de plus trop avoir des animaux. Parce que les animaux, quand même, ils vivent quand même jusqu'à une certaine temps, certaines années. Et si plus que toi, tu meurs avant le chat, après le chat, il va aller où? Il peut tomber sur des propriétaires qui n'aiment pas trop les chats ou qui peut les taper, qui peut pas leur donner à manger. Bon, c'est pour ça, hein, je pense qu'arrivé à un certain âge, faut pas prendre d'animaux. Parce qu'on ne sait pas où est-ce qu'ils vont aller après par la suite. Bon, c'est pour ça, moi, après Blacko, c'est fini. Je prends plus d'animaux, c'est trop triste. Quand tu les perds, c'est trop 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 triste. Là vraiment, j'en ai gros sur la patate là. En plus, ça fait pas très longtemps que j'avais vu Black dehors, parce que c'était quand ils étaient en train d'installer les caméras. Je voyais qu'ils se baladaient comme ça. Donc on sait pas vraiment qu'est-ce qui s'est passé. Peut-être on va le savoir après, par la suite, j'en sais rien. Mais pour l'instant, on ne sait pas. Ceci, elle est un peu anéantie parce que voilà, sachant qu'en plus c'est le frère à Blacko, donc voilà, ça nous fait un gros truc à la poitrine. Ce sera un chat qu'on connaîtrait pas encore, on dirait oh mince, voilà, ça nous ferait chier, mais voilà, pas autant. Mais là, c'est quand même le frère de Blacko. Il est resté à la maison 4 mois avec nous. On l'a nourri, tout ça. C'est pour ça qu'on est assez attristé par la mort de Black. On va pas dire c'est les choses de la vie, parce qu'il méritait pas de mourir. Mais voilà, c'est chiant, quoi. Pour ça, les cités, c'est chiant. C'est chiant, les cités, comme ça. Pour ça, il y a beaucoup de personnes maintenant, beaucoup de propriétaires d'animaux qui protègent justement les chats pour qu'ils évitent qu'ils aillent à droite, à gauche. Pour éviter de les perdre. Où le chat il peut partir et puis plus jamais revenir. Ça, souvent, ça arrive. Donc voilà. Voilà les mauvaises nouvelles. Voilà les mauvaises nouvelles.
Sinon, à part ça, bah, Blanco, lui, bah, il va bien, hein, sinon. Il va bien. Mahou, ça va aussi. Il a repris un peu il a repris un peu les poils de la bête. Je trouve que depuis qu'il mange mieux, bah, j'ai vu qu'il a moins mal au niveau de ses pattes derrière. J'ai même l'impression qu'il a repris un peu de poids au niveau de ses pattes. Après, tant mieux, hein. Tant mieux pour lui, hein. Mais là, il fait son dodo. Ouais. Il aime bien son petit coin là. C'est sa tanière. C'est l'ours. C'est Maous l'ours. Donc bah voilà, sur ce. Voilà les nouvelles. Moi je vais aller réveiller la Miss, parce que sinon on va jamais aller à la brocante. Et j'ai pas envie qu'elle ferme avant qu'il pleuve. Donc voilà. Donc c'était un petit blog d'une journée. Donc si vous avez aimé cette petite vidéo, donc n'oubliez pas de liker, partager, sonner la petite cloche et de vous abonner. Et nous on se retrouve bah, pour des prochaines aventures. Allez, bon week-end, ciao ciao, bonne semaine à vous tous. Et bye bye. Voilà.